Salut à tous, aujourd'hui on va faire un test de Power Watt Simulation sur Xbox Series X. Alors c'est un jeu au niveau de nettoyage. Alors il y a un mode carrière, il y a un mode défi pour nettoyer très vite, on dirait jeu libre, faites vos boulots préférés, passez autant de temps que vous hein, souhaitez nettoyer. Ah oui, c'est un jeu que sur le nettoyage. Offre spéciale, opportunité de nettoyer unique. On va faire le jeu libre, on va voir. Qu'est-ce que c'est que ce soit les véhicules, lieux. Alors, comment ça marche? Parce que je connais pas du tout le jeu, les amis. Hop. Jeu libre. Ouais. Là, j'ai choisi. Pourquoi il le prend pas en compte? Ou il faut être à plusieurs, je sais pas. Rejoindre une partie en coop. Ah ouais, il faut rejoindre une partie en coop, d'accord. On va faire un mode carrière. Nettoyage et caméra. Alors, est-ce que je peux le faire? Hop. Alors, c'est vraiment un petit jeu. Le jeu est gratuit sur le Game Pass. Par contre, il est gratuit si vous voulez tester. J'ai nettoyage Karcher, les gars. Ah, par contre, alors il y a un truc qui est bien fait, c'est qu'on a les vibrations du Karcher. Ça là est pas mal. Alors, on doit gagner de la thune, sûrement. Alors, c'est un jeu qui peut jouer en coop, j'ai vu, à plusieurs. Tout. Ça rend bien fait, hein, quand même. Bon, c'est un jeu de nettoyage, là. Faut avoir envie, hein. Voilà, hop. Surtout qu'en ce moment, il y a pas mal de jeux comme ça, hein, qui sont sortis sur le Game Pass. Si vous êtes sur Xbox. Après, je sais pas s'il est sur PlayStation, PC, je pense qu'il doit aussi exister aussi. C'est vraiment un petit jeu. Alors, est-ce qu'on doit gagner de l'argent? Il y a quoi? Il y a un mode, attendez, genre 2, ouais. Est-ce qu'on peut le changer le... Ah ouais, on dirait qu'on peut le changer, même l'embout. Genre vite fait, qu'est-ce qu'il y a? Hein, carrière, hein, on gagne de la thune, ouais. Hop, et à mon avis, on se va faire monter... Est-ce qu'on peut tout nettoyer d'ailleurs? On peut nettoyer tout ce qu'il a là-bas, etc. Qu'est-ce que c'est ça? Tiens. Qu'est-ce qu'il faut faire avec? Un nain de jardin. Je peux pas ouvrir la porte, si? Je peux ouvrir? Ah, j'en ai plusieurs, on dirait là. Je peux pas choisir d'autres? Non, je peux pas les choisir, les autres. Ah ouais, c'est un jeu que sur un truc de Karcher. Ok. C'est bien nettoyer la. Le camion, non? Ça, c'est assez bizarre, hein, comme jeu. C'est vraiment bizarre. Comme je vous dis, à ce moment, ils aiment bien faire les jeux comme ça, là, de nettoyage et tout, de bricolage. Il y en a un paquet, à ce moment. Putain, je sais pas où il est parti avec, le camion, mais il est dégueulasse. Par contre, le Karcher est super puissant. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a un mode SBC, on peut s'accroupir, n'importe quoi. On peut s'accroupir dans le jeu. Hop, ah, j'ai fait ce qu'il m'a demandé là, on dirait. On va essayer de tout bien nettoyer à fond. De haut en bas, voilà. Comme ça, si vous voulez savoir comment il faut passer le Karcher. Ça aurait servi là. Hop. Ah, mon coup d'eau. Un peu partout, tout. On peut le faire en haut aussi. Quoi, c'est dégueulasse en haut. Faut pas mieux faire, c'est pour passer en haut là. C'est magnifique comme jeu. On va essayer de tout faire là. Allez, j'ai les deux, par contre, là, il m'a fait. Ah, on va même faire ça. Alors pivoter à 1. Alors est-ce qu'il faut y a des missions à faire? Je sais pas. À 9$ il y a marqué là. Peut-être la vitre pour faire. C'est bien passé nickel partout. Je sais pas où il est parti avec son camion, mais en tout cas. Nettoyer. Putain, il est plus sur le carrefour parce que là il enlève tout. Voilà. Faire la ville. Je m'attendais pas du tout à un jeu comme ça. Moi je m'attendais à un jeu de nettoyage normal.
de maison, tout, voilà, je m'attendais pas à un truc comme ça, donc, voilà. C'est assez long quand même à faire. Alors à 2 ou à 3 ou à 4, ça va beaucoup plus vite. Ouais, hop, c'est pour vous montrer. Est-ce qu'on peut prendre des trucs à l'intérieur? Non, on peut pas. On peut juste changer, mais je peux pas les prendre, les gars. Je sais pas les thunes qu'il faut. Ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va. Hop, est-ce que je peux acheter? Ah, voilà, on peut en acheter d'autres. On peut même acheter des combinaisons. Ça, là, est pas mal. Des produits. Liquide, nettoyage, modification, on peut modifier son flingue, enfin ça s'appelle ça un flingue même, pour nettoyer, les embouts, l'équipement qu'il faut, gamme de nettoyage, ou la puissance, elle est pas super super, il vaut quand même 250$ le truc, hein, ça il faut le débloquer, il faut monter le niveau je pense, ouais, pas le niveau encore qu'il faut, parce que là je suis un peu perdu le truc, ça c'est le mode carrière, on va nettoyer et on gagne combien si on le fait? 150$, ouais, à 2, ouais, c'est beaucoup plus vite, boutique 1, hein, jeu libre, revenir en menu, on va revenir en menu, on va voir les autres, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah, il y a une baraque, on peut le faire ou rejoindre? J'essaie de rejoindre un jeu libre, rejoindre. Hein, pour rejoindre la session M1, vous demandez le code de salon de... Ah bon, il faut un code, qu'est-ce que c'est ce truc? Rejoindre un ami, ouais je sais pas, là j'ai personne qui joue à ça en ce moment. Une personne, là il faut une personne, il y a marqué. Hein, là c'est bizarre, s'il me demande une personne et je peux pas... avec le crossplay, il y a même un crossplay pour jouer à ça. Celle-là elle est pas mal. Celle-là elle est pas mal. Le défi, hein, c'est des défis qu'il faut faire. Hop. Mode défi, voilà, hop, je vois 6 à 2, je peux pas les faire, ceux-là. Il y a un truc à faire dans l'espace, nettoyer la fontaine de nerfs, nettoyer le locomotive vapeur, eh putain, nettoyer le parcours de mini-golf, oh putain, s'il faut tout faire, je vous dis pas le truc. Le truc dans l'espace, c'est quoi ça? Faut nettoyer le robot dans l'espace, hein, le... Ah ouais, on est collé. Alors, pour ceux qui se rappellent, c'est le petit robot qu'on a envoyé sur Mars. Ça là est pas mal, même sur Mars. Je suis en train de nettoyer le truc, les gars. Je vois bien un astronaute qui part rien que pour aller sur Mars, rien que pour aller nettoyer ça. Aller-retour, un an. Un an pour y aller, un an pour le retour. Le mec, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai nettoyé un petit robot. Ah, par contre, il y a des pas là. Enfin, j'allais dire des bruits, moi. C'est quoi ça? C'est pas. C'est des martiens ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas? Il y a un nain. C'est quoi ça? Et tu vois le petit nain là? C'est bizarre. Attends, je vais nettoyer ce truc là. C'est un truc de martien ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Il y a des pas de. Attends, je vais nettoyer ça. S'il faut, il y a un truc caché. Ça m'intrigue. Bien le nettoyer à fond là. Peut-être ça va avoir une porte, tu vois. Oh, ça m'étonnerait. On sait jamais. Ah, bizarre comme jeu. Là. Hop, là il bouillait bien. Là on l'avait vu. Bien nettoyé, du bon produit, regardez-moi ça un peu. Un vrai petit pro. Nettoyage. Et alors ça fait quoi ça? Non, ça fait rien. Le nain on peut pas le prendre. C'est rigolo parce que le nain il est en vert. Ouais, j'ai nettoyé à fond, là on voit les traces de pas. D'un alien, on dirait. Il peut faire quoi d'autre? Ah, il peut s'accroupir, non il peut rien faire d'autre. Là il y a le drone en haut là, je sais pas si on peut le nettoyer. Oula, j'ai changé le truc. On dirait un laser le truc. Comment j'ai fait ça moi? Comment j'ai fait pour... Ah ouais, on peut changer l'embout. Ah d'accord, on peut changer l'embout. Ah ouais, de nettoyage. Oh putain, j'avais pas vu ça. Alors les gars, vous avez le bouton là, c'est... Le dé peut changer. Ouais, la force un peu. Ce qui est bien, c'est qu'il y a les vibrations. Chaque forme qu'on en voit là. Oh putain là, ouais. Je vais les décaper. Ah ouais, c'est pas mal ça.
Ça, elle est pas mal. Et le mec qui a fait le jeu, il a fait à fond là. Bon, celui-là, quoi, là, je suis. Il est en haut. Terre. On va mettre un peu au-dessus là. Pour enlever tout le bordel. On va tout griller. Voilà, il est nickel. Ah là, il est propre en terre. On a fait le truc pour là. Là. Tout le robot avec là. Hop. Les panneaux solaires, comme ça ils vont reprendre de l'énergie le truc. C'est dommage qu'il avance pas après. Ah ouais, chaque embout ça doit servir vraiment pour le nettoyer. Ils ont pas ça tout. Alors les pros du nettoyage là ils vont être contents. Je sais même pas si c'est des vraies marques qu'il y a, si c'est des vraies marques là en fait. Peut-être. Vous voyez que celui-là il nettoie moins bien. Ah, il faut vraiment trouver l'embout nickel pour bien nettoyer. Il y en a un qui nettoie pas du tout, comme en vrai. Pourquoi celui-là il envoie ? Celui-là il fait des petits tours avec. Hop. Là. Là on l'a bien nettoyé. Ah, là il m'a refilé du fric. Pas beaucoup, mais il m'a refilé un peu. Là, je vais monter en haut. Là, il faut faire partout les gars. C'est vraiment du nettoyage. Enfin voilà. Rendez-moi ça un peu. Hop. Fais pas semblant, on est pas venu sur Mars hein, pour regarder un petit peu la planète là. Y a quoi d'autre? Hop, y a pas un martien là pour le nettoyer. Ah, en dessous là, le moteur. Merde. Changer ça. Allez, on nettoie moi tout ça là. Ah ouais, il faut nettoyer partout. En dessous. Même en dessous. Ils ont pensé à tous les gars. Les roues. Ah ouais, on peut changer de côté. Je regarde un peu. Ah ouais, pas mal de. Ouais, l'embout. Hein. Ah ouais. Là, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt? C'est vrai que quel est l'intérêt? Je ne sais pas du tout. Et le drone. Je vais nettoyer le drone ici. Il y a la NASA en plus avec. Hop, la NASA, pour prendre une photo. Voilà. Caméra, nettoyer. Hop, caméra, voilà. Tous les défis qu'il y a à faire là. Hop, par contre, il fait pas du succès. Voilà, il va être tout propre. Hein. C'est pas se nettoyer tout seul, c'est putain de robot. Là, c'est bizarre les empreintes là quand même. Okay. Ils nous amènent là-bas, il n'y a rien. Je vais aller revoir. Alors, s'il y a un extraterrestre qui voit ça. Il voit un astronaute en train de nettoyer la machine. Ça va être pas mal. J'avais pas fait gaffe ça. On va bien savoir à quoi ça sert ça. Les gars, si vous avez réussi à savoir ce que c'est. Ah, je l'ai nettoyé à fond. Ah, il fallait bien le nettoyer, ouais. Il y avait un truc à faire. Je l'ai nettoyé. Voilà. J'ai tout fait. Je sais pas ce qu'il faut faire après. Voilà, c'était pour vous le montrer. Un petit délire là. C'est un jeu assez sympa. On va faire juste un test pour voir. Vous verrez. T'as nettoyé ça aussi. Ce qui est fou, c'est qu'une fois qu'on a commencé, on a envie de tout passer au Karcher, de tout nettoyer. Allez, moi je vais m'arrêter là, je vais revenir au menu principal. Hop, voilà, qui est là. On peut jouer à multi, on peut jouer jusqu'à 4 ou même à 6, je me semble, j'ai vu. Ah, j'ai gagné 13$. Voilà, revenir au menu qui est assez simple, le jeu il est vraiment assez très simple, on peut jouer jusqu'à 6. Voilà, d'après ça que je vois là, de 1 à 6. Allez, j'espère que ça vous aura plu, pensez à passer un bon Karcher. Sur ce coup, moi je vous dis à plus, pensez à me laisser un petit like, pensez à vous abonner à ma chaîne MultiFrance77, à plus.